Depuis ma plus tendre enfance, je pensais que les méchants se trouvaient dans les dessins animés. Or, certes, il s'avère qu'ils se trouvent dans les dessins animés, mais on les retrouve plus souvent dans la finance, la politique et l'économie. Rémi, ces trois thèmes me font pleurer, j'ai même pas envie d'en parler. Quand j'y pense, je pleure, j'ai des larmes de sel. Ça me vient. En tout cas, moi, quand je trouve plus la télé commande, je suis deg sa mère. Je suis deg sa Frérot, t'as pas. mère. Ok. Vas-y. Ok. Ah merde, Non, vas-y. je respire un mot. T'as raison. Quand je pense à tous ces gens qui tombent de leur petite pelouse, j'oublie jamais qu'un mec est tué par a été tué par les mains de Jamel Debbouze. Nique même la foi au Michael Jackson. Léché des anus d'enfant, ce n'est pas du mensonge, c'est la stricte vérité. Je dis pas du blabla, je ne dis que la vérité. Ça, montre-nous ce que tu es capable De de faire. faire. Ok. Je vois tous les petits frères qui sont en bas, qui requièrent de l'argent afin de pouvoir acheter de la nourriture et se nourrir afin de se substanter pour survivre à l'hiver. Moi, je pense que c'est plutôt l'État qui devrait nous donner de l'argent afin de survivre à l'hiver. Quand je vois les clochards dans la rue qui nous demandent des pièces, je me dis, vas-y, je vais leur donner des pièces. C'est une affaire de Dolce Vita, il faut entreprendre afin de réussir dans la vie. Ce n'est pas un discours de droite, c'est un discours d'homme qui veut réussir. Rémi. Quand je vois Gérard Prato qui se présente à la municipalité de Fontignan, ma ville, eh ben j'ai mal. J'ai mal. J'ai super mal. Parce que c'est une merde. Une merde que je prends et que je tabasse et que je cogne. Ce putain de nazi de merde. Attends. Non, Pendant la. attends, non, j'ai. Non, vas-y, non, un truc à dire. Prato, va te faire enculer. Quand je vois tes affiches, j'ai envie de pisser dessus, de faire plein de choses sales dessus, de vomir dessus. Ah. Le Front National est le parti qui attise la haine. Comme quoi, black, quand on rajoute un N, ça fait blanc. Comme quoi, sans haine, on est tous les mêmes. J'ai vu cet article sur Facebook et je me suis dit, c'est trop ça. Du coup, je republie ça dans mon son parce que les gens me disent, ouais, c'est trop ça. Depuis que je suis sur Twitter, je vois les gens qui se balancent de la haine, les gens qui caquettent, qui parlent et qui n'arrivent plus à se dire, je t'aime. Quand je marche dans la rue et que je vois les yeux des enfants qui pleurent, je me dis, frérot, c'est chaud quand même. Quand j'étais petit, j'avais connu des jours heureux. Quand j'étais petit, j'avais des jours heureux. Aucun jour triste, j'ai pas connu la galère. Moi, franchement, ça allait. Ok. Alors que tandis que nos grands-parents, qui eux ont connu la guerre de 14-18 et de 39-45, Les se sont deux. battus dans la boue, les pieds dans le sang et ils ont tué des gens. Tandis qu'après, l'histoire ne nous a pas fait de cadeaux, il y a eu l'esclavage, on a fait des croisades et Ouais, ça, à ça. l'époque, c'était vraiment pas la folie. C'était le début du Front National qui arrivait au pouvoir afin d'attiser la haine dès le début. C'était le début de la fin. Trop raison. Moi, je trouve que j'ai dead ça. Il y a maintenant des petites. Maintenant, il y a des petites expressions qui sont nées à la base de Twitter. Ouais, Je c'est dire vrai. quoi? Parce Ouais. que maintenant, Mais j'adore ça. Twitter. Ça fait dark quand t'es sur Twitter et que tu vois des tweets de Jul. Quand il écrit que par exemple, il veut qu'on lui mange le poireau. Ou bien par exemple, quand il poste des montages de Eminem qui fait le signe de Jul. Quand je vois ça, je me dis que c'est le meilleur. Quand je vois ça, je me dis que le meilleur rappeur, c'est vraiment Jul. Eminem aussi est bien, mais Jul est bien aussi parce qu'il fait des trucs qui sont fraîches. Il a un flow qui kick sale. La sécurité sociale est un droit que nous vit l'État de la France et qui nous permet de nous soigner gratuitement quand on tombe malade. C'est Or, ce vrai. n'est pas réellement gratuit, c'est Non. déduit de nos impôts et c'est aussi déduit des impôts des autres gens. Or, la carte vitale est une carte qui nous permet d'être remboursé par la dite sécurité sociale. C'est en effet quelque chose dont Rémi va nous parler. On dit souvent que Coluche est mort à bord de sa moto. Vous voulez savoir la vérité? Oui. Moi, je la connais. Vas-y. Déjà, c'est même pas vrai, il était bien sur sa moto, mais cependant, le camionneur qui l'a explosé comme ça, c'était pas vraiment un camionneur, c'était un proche de l'État français. Ça s'est passé sur les Champs-Élysées.
À l'époque où Mitterrand était au pouvoir, qu'il avait instauré un règne de terreur et de peur, les Français n'osaient plus sortir le nez dehors car ils savaient que la police les réprimanderait et ça n'a pas changé aujourd'hui. Aujourd'hui, la France est un peu comme les nazis. Que la mif dans ma vie. Que du bif dans ma vie. Voilà. C'est tout ce qu'il y avait à savoir. C'est tout ce qu'il y avait à savoir. Or, ce que l'État nous cache encore, c'est des choses qu'il nous reste à savoir et que nous découvrirons que quand il sera trop tard, car l'État français est un peu comme l'État nazi. Il y a eu des étés où j'ai travaillé avec le sang de la terre. J'ai pas posé de questions, je lui ai arraché ses artères. Les petits bouts de raisin, j'en voyais plein les poches. 7 euros de l'heure, je me suis fait 200 e. T'as fait quoi avec tes 200 euros, dis-nous? Que je vous dise, Non, c'est pas grave, c'est pas faudrait vraiment que je vous dise, grave. C'est pas grave, c'est pas grave. je me suis acheté l'équivalent de 300 kilos de chocolat parce que je m'en bats les couilles de ta mère ou de ta meuf. Non, frère. Quoi? Quoi? Non, là, par contre, t'as que sur ma Je mère. dis ce que je veux sur ta mère. Non, frère, c'est chaud quand même. Yeah, man! Allez, Yeah, boy! frère. Wouh, yeah, man.